En IGH, la sollicitation d'un détecteur de fumée situé dans une circulation horizontale commune provoque automatiquement et sans temporisation le scénario suivant de mise en sécurité du compartiment. Déclenchement de l'alarme sonore d'évacuation audible dans le seul compartiment sinistré. Déverrouillage des gâches électriques des éventuelles portes sous contrôle d'accès. Fermeture des portes coupe-feu. Fermeture des clapets coupe-feu. Non-arrêt des cabines d'ascenseur et de monte-charge accompagnées. Ouverture des volets de désenfumage. Mise en route des moteurs de désenfumage, soufflage et extraction. Tout défaut de position de sécurité sera signalé sur le centralisateur de mise en sécurité incendie. L'unité de commande manuelle centralisée permettra, le cas échéant, d'envoyer des ordres de mise en sécurité.